Yup, salut tout le monde, Samuel Lejean, on se retrouve pour un nouvel épisode de Luigi's Mansion 3. La dernière fois, on avait récupéré le bouton pour aller sur l'étage numéro 9. Sauf que un chat, ou une chatte, c'est... Ouais, c'est plus une chatte, hein, vu la forme du chat, nous a récupéré le bouton. Donc il va falloir qu'on aille le chercher. Donc, non, c'est pas ce bouton-là, du coup, c'est ce... Voilà, très bien. Donc il va falloir qu'on aille chercher ce chat. Alors, il est où ? Pour pouvoir le repérer, on peut utiliser la lumière ultraviolette, hein, pour pouvoir voir un peu où il est parti. Là-dedans. Donc on y va, c'est parti. Donc évidemment, il va y avoir plus de fantômes qu'avant. Hein. Enfin, en tout cas, on va trouver des fantômes. Donc on va aspirer un petit peu tout ça pour qu'on ait un peu plus d'espace. Tu me diras. Hein. Viens là, toi. Viens là. Vas-y, viens. Voilà, on va éclater les petits en même temps. Très bien. Par contre, c'est pas tout. Tiens, viens là. Tiens. Et zbum, je les éclate. Toi aussi là-bas. Voilà. Comme ça, lui, je peux le récupérer facilement. Vas-y. Allez. Voilà, il est où l'autre? J'ai pas vu où il était parti. Il est parti où? Il est là. Tiens, tiens, voilà. Zbim et zboum. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas dit ce qu'on allait faire aujourd'hui. Hein. On va récupérer, comme je disais, le bouton que la chatte nous a pris. Et on va également récupérer des bouts. Donc normalement, la chatte est passée par là. Voilà, la chatte est partie. On va sortir de là. Tiens, oh, saloperie. Je vais récupérer ce qui traîne d'ailleurs. Je me demande. J'ai pas testé ça tout à l'heure, mais. Tiens, change. Voilà. Passe par là. Tiens. Le chat s'énerve. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger notre lumière. On va attendre que le chat vienne nous voir. Et dès qu'il va. Vous allez voir, on va se retourner. Paf! Voilà. Et ensuite on aspire sa queue. Et on l'éclate. Et bam! Sauf qu'on peut voir qu'il lui reste un point de vie. Bon, ça ressemble plus tellement à une chatte maintenant. Ça ressemble plus à un monstre. Donc on va plus l'appeler le monstre maintenant. Hein. Du coup, le monstre est parti. Ah bah ouais, Luigi. T'as encore du pain sur la planche. Donc on va rechercher où est parti le monstre. C'est parti. Clac! Donc le monstre est juste là. Donc on va monter là-dessus. On va demander à Luigi de nous aider à monter. Viens là. Voilà, 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 voilà. Il s'énerve. On va descendre. Ah bah non. Il va s'en aller. Le monstre s'en va. Donc là il descend. Donc il va à l'étage inférieur. Viens là, Luigi. Viens là! Voilà. Du coup, bah on va sortir de là. D'ailleurs, on a toujours notre fantôme ici. Hein. Il est toujours en train de faire son film. Laissons-le faire son film. On reviendra le voir plus tard. Ok. Ouh. Donc ces petites perles ont pris possession de cette poubelle. Calme-toi. Tiens. Viens là. Et tac. Du coup, on va lui mettre une petite lumière comme ça. Ça va le calmer. Il est en train de vomir du poisson. Voilà. Ça, c'est good. On va l'ouvrir. Plein de pognon. Vraiment plein de pognon. Ok. Ouh, raté. Raté encore. Décidément, je suis mauvais. Voilà. Clac. Bon, on s'en va. On va à l'étage du dessous. On se rappelle de l'étage du dessous. Hein. C'était l'étage où on avait le jardinier. On y va. Et non, pas encore. Viens là. Bon, bah, viens là, toi, alors. Voilà.
Il est parti où le fantôme là? Vas-y, apparaît. Ah, il se l'est quand même pris. Très bien. Et bim! Et bam! Et boum! Voilà. Très bien. Cool. On va en avoir des allers-retours à faire, hein. C'est moi qui vous le dis. Donc là maintenant, on va retourner au 7ème étage. Pour aller chercher ce monstre. Alors on n'ira pas chercher le bout qui est au 7ème étage parce qu'on l'a pas encore débloqué. Il faut qu'on termine d'abord cette histoire avec ce chat. Pour qu'on puisse récupérer notre bouton. Pour qu'on puisse avoir accès au 9ème étage. Mais une fois qu'on aura vaincu le chat pour récupérer le bouton, on repassera au 8ème, puis au 7ème, puis au 6ème et je l'ai noté 4ème. Ok. On va suivre notre chemin par là-bas. Calmez-vous. Donnez-moi vos billets. Voilà. Alors je vais pas m'amuser à fouiller partout, hein. On n'a pas que ça à faire. On va se contenter d'avancer. Ok. Là, on fait attention parce qu'il y a un truc vraiment bizarre là-haut. Ouf. Ça, c'est horrible, ça. Horrible. Tiens. Oh. Voilà. Easy. Ok. Et du coup, on est reparti pour tout ce chemin. Il y a beaucoup de salles à visiter, mine de rien, par ici. Hein. En tout cas, quand on cherchera le bout, il y aura beaucoup de salles à chercher. Ok, viens là toi. Super. On va passer par ici. Pas de chat pour l'instant. Oh, tu me diras. Faudrait que je regarde. Par ici, s'il y a vraiment pas de chat. J'ai un doute. Non, il n'y a pas de chat par ici. Continuons de chercher. Par ici, je pense pas qu'il y ait un chat ou quoi que ce soit. Non, par ici, y a rien. On va continuer à monter. Ok, par ici, peut-être. Non, par ici, on a rien. On va continuer par là-bas. Ok. Dans cette pièce. Ah. Alors, dans cette pièce, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des traces du chat? On n'a pas de traces du chat. Hein. On continue notre chemin par là-bas. Quoique. Ah, si, ça me rappelle, ça me revient. Où est-ce qu'il est, le chat? Il est plus bas, je crois. Il doit être dans un meuble comme ça, le chat. Sauf qu'il doit être plus bas. Du coup, je suis allé trop vite. C'est vrai que le chat, en fin de compte, il se déplace quand même pas mal. Et aussi, je confonds un peu avec le bout que je dois chercher parce qu'il y a quand même pas mal de zones à fouiller. Alors du coup, je sais plus s'il y avait un meuble qui était caché là. Ouais, il y en a un là. Ok, c'est ça. Allez, on enlève toutes les feuilles, s'il vous plaît. Donc normalement, ouais, voilà. Le chat il est là. Hein. Viens là. Tiens. Il s'énerve. On va concentrer notre lumière. Je bouge pas, je bouge pas, je bouge pas, je bouge pas, je bouge pas. Tiens. J'ai un peu foiré ma lumière, mais c'est très bien. Je l'ai quand même eu. Tiens, 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 et tiens. Toujours un point de vie, il lui reste une queue. Et du coup le chat s'en va. Donc il va falloir qu'on retourne la chercher. D'ailleurs il y a une gemme qui traîne par terre là, qu'on a déjà récupérée. Toc toc. Et voilà. Alors par ici on a rien. Et du coup là faut vraiment remonter hein. Normalement tu peux toujours voir ces... Vas-y, vas-y. Traces de pas peut-être. Non, là on les voit pas. Ça veut dire que le chat doit être... Il a dû monter. Hein. Il doit être par là.
juste derrière ici. Ou pas. Peut-être pas ici. Alors ça se trouve, il est peut-être encore plus haut. Ce qui est possible aussi. Hein. On va continuer à monter. Quoique ça me dit rien ce chemin. Regardons, de toute façon, on est là pour fouiner un peu partout. Mais là, on arrive au plus haut, donc je ne pense pas que ce soit au plus haut. Je me souviens que le champ, on pouvait le trouver aussi dans la salle de bain. Après, j'aurais été plus malin de fouiller directement avec la lumière, hein, pour savoir exactement où le chat aurait pu se situer. Ça aurait été plus malin. Parce que là, actuellement, le chat, bah, il est pas dans cette salle. Hein. Bon, on voit très bien qu'il n'y a pas dans cette salle. Ok. On va redescendre. Ok. C'est peut-être dans cette salle de bain là. Non. Je me souviens que le chat au bout d'un moment est caché dans une salle de bain avec toutes les pastèques. Si ça se trouve c'était dans la salle de bain plus bas. Parce que là, c'est sûr et certain, il est pas là. Ah, bah il est là. Donc, si on regarde au niveau de la lumière. Donc, il a pris la porte ici. Le chat s'est caché là. Et on espère tout ça. Hein. Ah, il a le chat. Ok, il était là finalement. Oh, mais. Qu'il est mauvais ce Luigi, il s'est pas visé. Alors là, le chat, normalement, il est monté, hein. Quand même vérifier. Donc ouais, on voit que les traces de pas c'est vers le haut, donc là maintenant on peut monter. J'aime bien ce petit bug là. C'est charmant. Bref. Continuons notre chemin. Ouais, c'est pour ça qu'au final je pensais que c'était directement là-haut qu'il fallait aller, au final non. Mais j'ai vraiment du mal avec la lumière, hein, c'est incroyable. Tourne-toi. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y avait une petite araignée dorée là? Et d'ailleurs, il y a des lingots qui veulent pas venir. C'est bon? Ça va être bon. Alors, est-ce qu'on peut aller dans cette salle de bain? Oh. Ok, donc lui, il va falloir qu'on aspire sa langue et qu'on demande à Guiji de nous aider aussi. Paf! C'est la première fois qu'on le voit, fantôme. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un chat quelque part par là? Non. Il doit être par ici. Il est là. C'est la salle de bain qui me... La salle de bain que je voyais dans ma tête avec les pastèques. Donc il est là. On va dégager ce truc là. Et paf! On a cassé toutes les pastèques. Ok, il est resté là. Donc on va souffler ça. Ou aspirer du coup. Non, faut bien souffler. Hein. Voilà. Le chat n'aime pas nager. Hein. Elle aime pas l'eau. Tiens! Ok, calme-toi. Ne bouge pas. Ne bouge pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Paf! Jolo. Allez. Voilà. On l'a vaincu. Il lui reste quand même un point de vie, hein. Donc on l'a pas vraiment vaincu. Mais le chat n'a plus de queue. Et du coup, il va rendre le bouton. Et on a enfin récupéré le bouton. Ça y est. Et voilà. Yes. Allez, demi-tour maintenant.
Et là, on a du pain sur la planche parce qu'on doit aller chercher des bouffes. Donc on a tout le chemin en sens inverse à faire. Et je pense qu'on va commencer par le bout... Je sais pas sur lequel on va commencer. On a le choix, hein. On a le choix. Je sais que le bout de cet étage-là, on peut pas l'avoir maintenant. Ça, c'est une certitude. Tiens, joli. Parce que sinon, on aurait eu la matière en goui. De Guiji. En goût. Matière de goût. C'est matière goût. C'est le goût, je crois. Je ne sais plus. Bref. La matière ne vibre pas hein, dans l'aspirateur, donc on n'a rien du tout ici. Hein. Faut qu'on sorte de cette zone pour qu'on puisse repérer. Et vous en les rats. Je les ai pas eu, tant pis. Tayo Tayo Luigi. Taille ta route. Voilà. Ok. Et du coup, on va pouvoir remettre, cette fois-ci, pour de bon, le bouton. Nice. Donc, je pense qu'on va faire d'abord le quatrième. Ensuite, on fera le sixième. Ensuite, on reviendra au septième. On fera le huitième. Et après... Bah on aura terminé notre épisode en fin de compte parce qu'après faudra aller au 9e étage pour continuer la partie. Ok, nous voici au 4e étage. Alors, cherchons le bout. Pour l'instant ici on n'a pas grand chose. Là, il n'y a pas grand chose non plus. Peut-être de l'autre côté. Ah! Ça vibre! Tiens! Le petit double qui va bien. Alors on va aller de l'autre côté. Peut-être qu'il est là-bas, le bout. Il est quelque part ici, le bout. Donc maintenant, savoir où il est. On va d'abord faire un petit coup de ménage par ici. Il y a plein de saloperies par terre et j'ai pas envie de m'embêter avec le bout avec ça. Ok, alors. Il peut être là. Il peut être là. Il peut être soit ici, soit là-dedans. C'est l'un des deux. Je vais tenter ça. Et non, il était dans les lignes. C'était l'un ou l'autre. Vu que les deux sont très proches, la vibration était la même. Donc j'avais une chance sur deux. Salut, moi c'est Bougie. Tu n'arriveras jamais à éteindre la flamme qui me consume. Oh. Non. Bon, il n'y a plus qu'à retrouver ce bout. Alors, il n'est pas ici. Il est pas ici, il doit être de l'autre côté hein. Quelque part par là. Allez, quelque part par là. Alors maintenant où est-ce qu'il va être? Soit ici. On enlève cette porte. Soit il est là, soit il est là-dedans. Je partirai sur là-dedans. Yes, il est là. Salut, moi c'est Bougie. Ton âme est un leurre. Est une lueur, pardon. Que je vais faire vaciller. C'est ce qu'on va voir, mon petit pote. Il est où? Il est où? Il est là. Viens là. Chien. Spim, spim, spim. On récupère tous les lingots qui vont bien. Allez. Alors, il est où maintenant? Il est là-bas. Viens là, bouge pas, bouge pas. Voilà. Et t'es fait comme un rat. Nice. Donc le bout du quatrième, c'est bon.
Ok. On récupère les pièces qui traînent. Voilà, on va pouvoir y aller maintenant. Et on va aller au 6ème étage maintenant. Alors il reste des bouts qui traînent dans la zone, hein, mais on va pas s'embêter à se battre contre eux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les bouts. Enfin, des bouts. C'est pas les bouts qui traînent, pardon, c'est les autres fantômes. C'est pas des bouts. Pire les pipi. Ok. 6ème étage, c'est parti. Tranquillement. Donc ouais, j'ai 6ème, 4ème. 4ème, on vient de le faire. On a le 6ème, on a le 7ème et le 8ème. Au niveau des bouts à choper. Ta-da. Let's go. Alors, par ici. Ah, c'est vrai. Ça, ça va être rigolo, du coup. Il va falloir que je me fasse ces trucs-là, là, parce que ça, avant, ça y était pas. Hein. Tiens. Bon, tu me diras. Guji va pouvoir aller m'ouvrir la porte. Allez, vas-y. Allez, ouvre-moi la porte. Très bien. On passe. Pour l'instant, pas de fantôme par ici. Enfin, pas de boue en tout cas. Ah, on s'approche petit à petit. On voit que ça commence à trembler. Et le bout est quelque part par là. Allez-vous-en, les corbeaux! Oh. Non, 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 non. Viens là, toi. Voilà. Peut-être qu'il est de l'autre côté là. C'est soit lui. Ah, les deux c'est pareil en fait. Ah, quoique lui il vibre un peu plus. J'ai l'impression. Voir si lui ça marche. Il était là. Je suis Bousquetaire. En garde. Alors, reviens là. Il est là-bas. Bien. Oh. Mais non, mais c'est pas ça que je veux faire. Je me trompe de bouton, c'est terrible. Hein. Très bien, viens là. Bon, je me suis pris les dégâts, c'est pas grave. Ok. Je récupère des points de vie de toute façon. Tiens, récupère quand même ça là en bas. Ok. Il est là. Nice. Et pif! Terminé. Tout le monde descend. Impeccable. Donc le bout du 6ème, il est good. On récupère les lingots et les piécettes. Le lingot là-bas, tu veux pas venir? Non mais non. Voilà, c'est bon. Je me suis pris des dégâts. Tant pis pour moi. Je récupérerai d'autres corps plus tard. Maintenant, demi-tour. Puisqu'on a fait cette partie-là. Oh, mais tiens, regardez qui voilà. Tiens! Je me le fais. Viens là. Voilà. Est-ce que tu peux péter les statues qui est là-bas? Raté du coup, hein. Il est où? Tu es là? Voilà. On se met derrière. On aspire. Et bim! Voilà, on a tout cassé, c'est très bien. Il y en a d'autres ou pas? J'ai l'impression qu'il y en a d'autres. Vous savez quoi, on va pas se prendre la tête à aller chercher, on n'a pas besoin de les vaincre, donc j'en ai juste vu un gros, je me suis dit tiens, je vais le choper. Ok. Ah oh, bah tiens, il y a des fantômes maintenant là. Viens là. Non, viens là. Ah. Oh. Il est où? Putain, j'arrive pas à l'attraper, hein. Ah. Vas-y. Voilà, ah, très bien. Ok, on l'a eu. À ton tour maintenant. Ils sont terribles à choper ceux-là. Hein. Terrible. Hein.
Viens là. Ok, là il est bon. Ok, super. Très bien. Voilà, on y arrive. Sortons de là. L'ascenseur est là. Tu peux revenir, Luigi. Hein. Tu peux y aller. Ne sois pas timide. Maintenant, on va au 7ème étage. Donc l'étage qu'on vient de faire avec les plantes de partout. Hein. Il va y avoir un bout maintenant qu'on va pouvoir aller choper. Allez, on y est. Cherchons ce bout. Alors normalement il y avait encore les rats ici mais ils y sont plus. On voit que ça vibre. Ça vibre un petit peu. Donc il y a un bout dans les parages. Il est là. Mais dans quelle salle maintenant? Il va falloir chercher. Impeccable. Alors commençons par cette salle-là. Nope, ce ne sera pas cette salle-là. Cette salle-là peut-être? Nope, c'est pas cette salle-là non plus. Ah, ça vibre un peu plus. Soit c'est au-dessus, soit c'est à gauche. À mon avis, c'est au-dessus. Vraiment regarder par là, mais je crois pas qu'il y aura quelque chose ici. Non. Donc à mon avis, c'est la salle de bain du dessus. Hein. Parce qu'au niveau de la salle de bain, ça vibrait pas mal. Alors. Ok, on va passer par là. Et par ici. Ouais, c'est ça. Il est là. Quelque part par là. Ce melon. Celui-ci aussi, hein. Tu me diras, ils vibrent tous à fond. Hein. Je vais me tenter celui-là. Oh, il était bon. Bonjour, moi c'est Bouquet. On dirait que je viens de me faire cueillir. Quel joli jeu de mots. Alors, il est où? Juste là. Viens là. Allez, tu vas m'exploser toutes ces pastèques, là. Bien. Alors, il est où maintenant? Il est là. Bim! Allez, pète-moi ce truc-là. Voilà. Bien joué. Bon, ça va, il aura pas été très compliqué à choper celui-là. Yeah. Tu peux tout récupérer. Des pièces en plus. Impec. Du coup, demi-tour. Maintenant, on va se refaire le dernier étage qu'on a fait. Donc, l'étage du spectacle. Enfin, du cinéma, quoi. Demi-tour. Et du coup, prochain épisode, on se fera le 9ème étage. On reprendra l'aventure. En tout cas, l'histoire principale. Allez, go. Tarzan. Nice. J'aime vraiment beaucoup l'animation de beaucoup de choses. Puis même les textures de tout ce qu'on peut y trouver dans ce jeu, c'est vraiment superbe. Hein. Ok. Oh, salut. Ah, t'es un peu vénère, toi. Vas-y. Oh mais j'en ai chopé deux pour le prix d'un en fait, quasiment. Vas-y, viens là. Ok. Très bien. Oh, il y avait un autre fantôme là en fait. Viens là, viens là. Faut pas t'échapper toi. Mais non. Bah, attends. Calme-toi. Viens là. Oh, j'ai pas réussi à le choper.
Ah mais c'est parce que l'autre il m'avait attrapé, d'accord. C'est pour ça que j'ai pas réussi. Alors par contre, ce serait bien que je puisse... Ah oui mais d'accord, il y a Guiji. J'étais avec Guiji donc forcément. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'étais avec Guiji mais c'est pas grave. Vas-y viens là. Et on entend mon cœur battre là, hein. Là c'est mauvais. Hein. Vas-y, mais chope-le. Voilà. Ok, on l'a eu. Celui-là aussi il va venir. Viens là qu'on te dit. Voilà. Ok. Viens là aussi toi. Mais non. Oh, il était juste là. Vas-y. Voilà. Ok, on l'a eu. On a eu les fantômes de cette zone, mais c'était tendu, hein. En tout cas, le fantôme, il était spécial, le gros, là, parce qu'il avait... il avait une tenue particulière. Ok, sortons de là. J'espère qu'il n'y a pas d'autres fantômes au niveau de l'ascenseur. Nope, ça a l'air d'aller. Du coup, c'est la première fois que j'entends le cœur battre dans ce jeu. 8ème étage. Let's go. Bon, dans tous les cas, si on se fait battre, on a l'os en or qui nous permet de nous restaurer. C'est comme une fée dans Zelda, finalement. On ne meurt pas avec cet os. Mais si on en a besoin d'un autre, il faudra le payer. Parce que celui-ci, on l'a eu gratos. Grâce à Catastrophe. Ok, nous voilà. Cherchons ce fantôme. Alors, où il peut être ? Elle est pas dans cette zone. T'as pas des cœurs à me donner toi par hasard? Toi? Non, pas de cœur par ici. Hein. Alors, peut-être dans cette salle. Non. Ah! Il a l'air d'avoir fini son film. Mon film est enfin achevé. Une œuvre chargée d'émotions, riche en action, à la tension quasi insoutenable. C'est ce que j'appelle la quintessence du 7ème art. Le public ne va pas s'en remettre. Mais non. Regardons du coup le film. C'est parti. Regardons son chef-d'œuvre. Ce film. Sympa comme film. Bon, on reviendra le voir après. On va d'abord chercher le bout, d'accord? Donc le bout, où est-ce qu'il va être? T'as vraiment pas des cœurs à me donner, toi? Ah. Parce que bon, entendre mon cœur battre tout le temps, ça va, quoi. Alors, par ici, ça a pas l'air de trembler. Par là-bas non plus. Oh, là, ça vibre un peu plus. Marrant, j'ai eu un moment où ça a vibré énormément. Peut-être là? Peut-être dans le 2? Yep, c'est dans le 2. Alors, où est-ce qu'il va être? Là! Moi, c'est Boubine! Viens un peu prendre ta déroulée. Bien sûr. Viens là. Viens là! Tac. Parfait.
On va récupérer un petit cœur. Des lingots. Ok, il est où? Il est là. Non, t'as failli m'avoir. Hein. Voilà. Voilà. Et voilà. On a chopé le bout de cet étage-là. Et du coup, malheureusement, pour notre collection de boue, on va être obligé de capturer Oscar, le metteur en scène, le réalisateur, puisque bah, on en a besoin pour terminer le jeu à fond, quoi. On aurait pu le laisser tranquille parce qu'il nous a donné le bouton, mais le jeu veut que on soit obligé de le capturer. Enfin, on est obligé. On est obligé de rien, hein. Mais bon. Alors, je vais juste faire un petit coup de ménage chez toi parce que c'est un peu le bazar. Hein. Voilà. Et du coup, désolé, mais... Tu veux venir avec moi. Mais vas-y. Ah voilà. Réalisateur capturé. Ça l'a pas beaucoup enchanté Luigi, et je peux comprendre parce que bah. C'était un gentil fantôme celui-là. Ah, un petit cœur. Vas-y, récupère le cœur. S'il te plaît. Ah, ça y est, eh ben. Bon. Où? Oh. Une part de fraisier. Oh. Oh. Mmh. Ah bon. Oh. Oh. Ok, venez là. Vas-y. Viens là. Voilà. Est-ce qu'on peut les attaquer les autres là? Non, je les ai pas eu. Viens là. Viens là. Ah mais ils sont plusieurs là. Oh là, oh, calme-toi. Ok, laisse-moi passer. Je vais récupérer celui-là parce qu'il a... Il a un truc spécial en plus. Je sais pas pourquoi. Viens là. Oh là, il m'a fait mal. Il m'a fait mal, il m'a fait mal. Viens là. Ok. Tiens. Ok, lui il est bon. Ok, je peux choper ce truc là. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ça a disparu, très bien. Oh. Calme-toi mec. Hey. Tu veux jouer toi? Tiens. Vas-y. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ce ruban? Ah, ça disparaît. C'est juste du costume en fait. Je pensais que c'était un bout spécial avec des choses en plus, mais non, pas du tout. Bon, en tout cas, ils ont... Ok. Viens là. Eux, c'est vraiment les pires, hein, je trouve. Hein. Parce qu'ils se mettent où ils veulent. Il est où? Il est où? Non, il est là. On va le choper, hein. Bien là. Okay. Vas-y, tire, 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 tire. Voilà. Encore, encore, encore. Voilà, ils vont là. Boum. Ça a l'air d'être bon pour les fantômes de la zone, hein. Yep, ça a l'air d'être bon. Pour aller dans l'ascenseur. On va se mettre ici, et du coup, c'est là-dessus qu'on va se laisser les amis. Eh ben, j'espère que cet épisode vous aura plu, mine de rien, 40 minutes. On aura fait les bouts de 4 étages, donc l'étage 4, 6, 7 et 8. Et on a également récupéré notre bouton pour aller au 9e étage. Donc, prochain épisode, on se fera le 9e étage. Portez-vous bien les amis, et au prochain épisode. Bye.